Oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always repping. Oh my God, my whole life. C'est quoi ça? Attends, je regarde. On me voit là? Ouais, c'est bon. Mais qu'est-ce que tu fous, bordel? Je suis en train de faire une vidéo pour mes abonnés, pour le retour de la rentrée. Ça me paraît logique. Vas-y, fais ton truc. Ok. Bonjour à tous et à toutes, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, parce que pour ma part, je vais vraiment nickel chromé. Donc aujourd'hui, on entrons pour une petite nouvelle vidéo particulière, parce que aujourd'hui, on entrons pour la rentrée 2018, pour la troisième. Oh my god. Bref, ça fait super plaisir de reprendre YouTube, Samir, ça fait plaisir. Donc du coup, vidéo particulière, parce que mon petit sac qui est en là, voilà, qui est là, normalement, voilà. Mon petit saké, voilà, qui est assez lourd parce que j'ai déjà préparé mes affaires pour lundi. Oui, parce que moi, je travaille au collège. Rip and peace. Bref, aujourd'hui, je vais vous parler de ma rentrée, qu'est-ce qui s'est passé en 2018. Parce que j'ai pas fait en 2017, donc du coup, j'avais envie de faire en 2018. Plus particulièrement, qu'est-ce qui va se passer au brevet. Ouais, non, chaud. Bref, donc du coup, j'espère que la vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à mettre un max de pouces bleus. Je compte sur vous, les vrais, parce que là, c'est inédit ce qui se passe. C'est la rentrée pour moi sur YouTube. Oh my god, à tout de suite, les amis. Les amis, donc du coup, voilà, de retour, parce qu'il y a une petite pause en ce moment. Donc, bref. Donc, du coup, voici mon emploi du temps chargé pour la troisième. Alors, je sais pas si vous allez bien voir. Alors, vous allez voir, entre guillemets, à l'envers. Alors, j'espère juste que ma caméra va pas faire de la merde. Donc, normalement... Alors, j'espère quand même que ma caméra va quand même voir. Donc là... Ah, attendez. Là, c'est le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc, il y a juste une fois que je finis 10h30, en gros. Simple, efficace, basique. Donc, du coup, en fait... La troisième, c'est quoi? C'est qu'en fait, tu as passé beaucoup de choses parce que tu vas au lycée après. Ça m'a l'air un peu logique aussi. Oui. Enfin, ouais. Non, chaud. Enfin, arrête de bugger. Merde. Bref. Donc, du coup, la troisième, c'est une grande année pour tous ceux qui vont passer au lycée. Attends, est-ce que j'ai bien dit ma phrase? Ouais, parce qu'après, sinon, il y a des... Après, il y a des gens qui vont dire, ouais, c'est pas ça. Ok, là, d'accord, je vais... Bref, donc du coup, les profs sont pas stricts. Enfin, non, ils sont pas stricts pour l'instant, parce que c'est une semaine cool. Entre guillemets, cool. Parce qu'on court déjà. Voilà, parce qu'il y a le cross aussi. Il y a les stages aussi. Il y a le brevet aussi. Ouais, c'est chaud. Bref, donc du coup, la troisième, il y a beaucoup de brevets. Donc il y a des brevets blancs, il y a des brevets oraux, il y a des brevets... Mais des brevets écrits. Et puis il y a aussi un brevet final. Donc vraiment on a deux brevets. Donc aussi quand vous passez en troisième, les points de compétence que vous avez, du vert foncé, du vert clair, du jaune, du orange et du rouge. Et du noir. Donc du noir ça c'est rien fait, ça je m'en bats les couilles frère. Bref, c'est pas ça. Donc du coup les points de compétence compteront sur le brevet. Sur 400 points, je sais pas si c'est ça. Enfin bref, donc je sais plus c'est quoi, combien les points et tout ça. Donc il faut que je recharge ma fiche et tout ça. C'est la merde totale. Mais les points de compétences comptent pour le brevet en troisième. Donc il faut avoir de bonnes compétences en gros. Hein, du vert clair ou du vert foncé ou du vert ou du jaune. Ouais, logique. Mais bon voilà. La troisième, c'est la merde.
Oui, bonjour Laporte, comment vas-tu? Très bien, merci, et toi? Ok, bon, la porte s'est ouverte toute seule, je lui fais un peu. Putain, les fenêtres partent d'un mal, j'ai dit que c'était fini, putain! Merde! Vous comprenez le mais? Non, il y a juste quelqu'un qui voulait s'infiltrer, qui voulait voir ma vidéo pour la rentrée. Enfin bon, bref, un délire. Bref! Donc, du coup, je crois que j'ai tout dit, je crois. Donc du coup, normalement, les stages, normalement, c'est entre janvier et avril, normalement, si je me trompe pas dans les dates. Donc en fait, on va passer une semaine en stage, donc on va passer une semaine soit en vétérinaire, soit, je sais pas moi, dans les trucs que vous aimez bien, littérature par exemple, scientifique ou un truc du genre, plus littéraire. Bref, un délire comme ça. Et donc du coup, pendant une semaine... J'irai pas à l'école et j'irai faire mon stage là-bas. Mais bon, comme ceux qui me connaissent sur YouTube et ceux qui me connaissent dans la vraie vie, vous connaissez où je vais aller. Bah oui. On va pas se faire chier. Vraiment pour ça, quoi. Je vais aller dans le centre de bien-être canin chez mes parents. Ça m'a l'air logique, non? Enfin bref. Et donc du coup, après, je crois qu'après voilà, les entre guillemets, une semaine de stage, on va passer les brevets blancs. Les brevets blancs, ok? Donc là, ce qui est spécifiquement... Ouais, je parle en intello. C'est quoi ce bordel? Tu te fous de ma gueule? C'est la rentrée. Donc tu parles comme tu parles. J'ai bugué. Voilà. Bref, donc, du coup, normalement, après, on a les petits brevets blancs, pour l'instant. Qui sont assez je bug assez ou ah, voilà quoi c'est déjà le petit piquement le stress t'as juste à toucher comme ça voilà enfin bref vous connaissez et donc du coup normalement le vrai brevet le brevet final ça serait normalement en mois de juin. Normalement, hein, si c'est ça, normalement c'est au mois de juin. Et donc du coup, eh bien ce qui veut dire brevet, c'est qu'il veut dire qu'il n'y aura pas beaucoup de notes dans l'année. Parce que le brevet, c'est l'essentiel au mois d'avril-juin. Normalement, avril, ça commence à débuter toutes choses particulières. Donc stage, brevet, brevet final, brevet oraux aussi. Parce qu'on doit faire un genre d'exposé. Parce que normalement, on a entre deux ou trois profs. Non, c'est deux profs qu'on doit. Bref. Deux profs, on doit dire ce qu'on a fait. Donc en fait, c'est un genre d'exposé. On a 5 minutes quand on est individuel et 10 minutes quand on est en groupe. Mais normalement, la plupart du temps, c'est en solo, on va le dire. Et donc du coup, après, on a 5 minutes pour se présenter un truc. 5 minutes, bordel. Et 10 minutes pour s'entretenir avec les profs, quoi. En gros. En plus, ce qui est bien quand même, c'est que c'est dans l'établissement. C'est ça qui est bien. Donc du coup, il y aura aussi les 5e, les 6e, les 4e, je crois, qui vont pas être là parce que pendant... Ouais, parce qu'on serait les brevets. On a besoin de... tranquille. L'IT. J'ai bugué. Ouais, tranquille, quoi. Ça fait longtemps. Tu m'as manqué la bouteille Vittel. Bref. Donc du coup, voilà. Donc après, on peut aussi partir avec une mention. Qu'est-ce qu'une mention? Une mention, c'est avoir une mention bien, une mention assez bien, une mention bien, une mention très bien. Si c'est ça dans la base, donc ceux qui sont passés au lycée, vous comprendrez, ceux qui passeront pas, ceux qui passent en troisième en même temps que moi. Je bug, voilà. Bref, donc du coup, pour avoir une mention assez bien, pour avoir 480 points. Pour avoir une mention assez bien, pour avoir 560 points, je crois. Et pour avoir une mention très bien, pour avoir 640 points. Normalement, c'est ça la base, c'est ça. Normalement. Bref. Et donc, du coup, je crois que j'ai tout dit pour le troisième. Les stages, les brevets, les mentions. Je crois que c'est tout dit. Voilà, c'est la petite vidéo du test de rentrée 2018. Donc, la rentrée s'est très bien passée pour ma part. Donc, le stress quand même qui monte. Mais le problème, c'est que c'est la dernière année avant que je quitte le collège et que j'aille au lycée. Ouais. Donc du coup, mes meilleurs amis, mes meilleurs... Non, je sais pas si ça dit. Bref. On va passer la dernière année au collège
Donc ça veut dire qu'il faut vraiment en profiter un max pour tous ceux qui se connaissent, pour les meilleurs amis, les amis. Et voilà, donc il faut vous en profiter un max pour vous. Voilà, parce qu'après, ceux qui partent, voilà quoi. Donc il faut vraiment vous en profiter un max pour tous ceux qui ont des meilleurs amis au collège comme moi. Donc vous en profitez aussi un max. Parce qu'après, c'est le lycée et on connaît des personnes et c'est merveilleux. Et ouais. Ah putain. Ouais, parce qu'aussi le lycée, c'est aussi la seconde. En gros. Mais donc du coup, voilà les amis, c'est la petite parenthèse sur les vidéos. Donc ma rentrée s'est très bien passée. Donc du coup, j'espère que votre rentrée se serait bien passée aussi. Donc du coup, chaque année, je vais faire des bilans de rentrée au lycée, en université, peut-être pas jusqu'à, mais bon bref. Oui, ma voix a très bien changé, on dirait un journaliste, présentateur de télévision. Jean-Luc Reichmann, dédicace à toi, si tu regardes, enfin bref. Donc du coup, les amis, nous, on se retrouve. Je sais pas, parce qu'à la rigueur, je fais la vidéo samedi, donc normalement, la vidéo, vous la verrez dimanche. Donc je sais pas, donc voilà. Donc sur les rails, je vous souhaite un très bon visionnage pour la vidéo qui va suivre. Et j'espère que vous allez être quand même nombreux pour regarder cette vidéo. Regardez. Hein. Bref. Sur les rails, je passe merde. Enfin, en fait, il faut vraiment que je change d'intro parce que sinon ça va être la merde. Faut pas que je prenne. Faut pas que je plagie TK. Vous allez rejoindre. Et donc du coup, pour tous ceux qui sont pas venus sur le live de samedi soir, parce qu'il y a un samedi soir là. Ce soir, parce qu'il dit samedi. Il y a un live spécial grand retour en live. Donc venez nombreux. Sinon, bah de toute façon la vidéo, le live sera déjà fini. Mais bon, venez quand même nombreux, ça ferait plaisir quand même. Et du coup, bah voilà, la parenthèse sur la vidéo est terminée. J'espère que vous aurez plus de. Voilà. Tu m'assimères. Et bon visage. Oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down.